L'art de Chopin, c'est le témoignage d'une immense sensibilité. Ce sont des pièces de l'écoute intime, de libre méditation, rêverie, à la fois subtile et envoûtante. Et en même temps, dans le genre du nocturne, on est en plein dans le bel canto. Le cœur de l'inspiration de Chopin, c'est le chant, c'est sa fascination pour les chanteuses, c'est cette volonté permanente de transformer un instrument de percussion en un chant. Et toute sa vie, Chopin n'aspirera qu'à une chose, à un piano chantant. Je suis fascinée par ce paradoxe, sa fragilité légendaire et la puissance intérieure qui émane de son écriture. Je ressens très fortement dans ses œuvres à la fois cette sensualité à fleur de peau, cette nostalgie marquée par l'exil et cette extrême souffrance due à la tuberculose. La musique évoque donc des sentiments universels, et c'est probablement la raison pour laquelle Chopin ne prend pas une ride au cours des siècles. Je n'ai pas choisi de faire un patchwork de nocturne, mais bien intégral. Le genre du nocturne a traversé toute la vie de Chopin, de l'opus 9 à l'opus 62, de 1827 à 1846, depuis son âge de 17 ans jusqu'à 3 ans avant sa mort. Et on voit donc à travers un même genre, à travers une même figure imposée, qui est donc la mélodie accompagnée, toute l'évolution de Chopin au cours de sa vie, pour arriver à une richesse harmonique inouïe. Quel est au fond mon rapport à la musique, et à Chopin en particulier? J'aime bien l'image du triptyque, trip, cerveau, cœur.
Les tripes, tout d'un coup, ça peut venir n'importe quand, avec n'importe quelle musique, tu as la chair de poule. Pourquoi? Ça ne s'explique pas, c'est purement physique. C'est le côté probablement très sensoriel de la musique qui doit mettre en résonance nos cellules nerveuses. Ensuite, il y a le cerveau. Parce qu'il y a aussi le pur plaisir cérébral. Quand on a eu la chance d'avoir une éducation musicale, reconnaître certains passages, par exemple des constructions harmoniques, peut provoquer un réel plaisir cérébral, plaisir esthétique. Et la troisième chose, c'est le cœur, c'est le côté plus nostalgique. Certaines mélodies rappellent des circonstances particulières et certains thèmes chez Chopin provoquent immanquablement chez moi des réminiscences de mes racines familiales polonaises. C'est le côté Madeleine de Proust de la musique. J'ai été pendant très longtemps intimidée par la musique de Chopin. Et je l'ai contournée auprès de ceux que Chopin a inspirés. Mes précédents disques sont consacrés à Rachmaninoff, Scriabine, Schumann et Liszt. Et je recherchais à l'époque des œuvres plus fournies, plus orchestrales. Des œuvres dont la profusion me mettait plus à l'aise. Mais aujourd'hui, quand je joue Chopin, qui est pour moi la quintessence du romantisme, j'éprouve un sentiment de plénitude et d'accomplissement. C'est intéressant de voir que la plupart d'entre eux ont été composés à Paris. Et je suis particulièrement émue de jouer en ces lieux prestigieux de l'ambassade de Pologne, où Chopin a donné l'un de ses premiers concerts parisiens, en arrivant de Varsovie, au tout début des années 1830. Mais c'est une musique de l'intimité du salon. C'est une musique que l'on écoute au bord du piano. Ce ne sont pas des pièces de virtuosité. Il n'y a jamais de notes gratuites. Il y a, certes, quelques roucoulades, des ornementations, des arabesques, mais chaque note compte dans le nocturne.